Bon, là, juste un petit vidéo, deux minutes, pour remercier Michel, à Machinerie A1, qui m'a prêté le programmeur qui m'a permis de compléter le montage de notre BCS électrique. J'avais auparavant un potentiomètre moins agréable ici, puis là, avec le programmeur, j'ai pu modifier les paramètres dans le contrôleur afin de utiliser l'accélérateur pas mal plus agréable, ergonomique. Fait que voici la machine, c'est un BCS, c'est la marque, c'est un motoculteur électrique ou un petit tracteur de roues. Les outils s'échangent. Lui était anciennement animé par un moteur Honda 11 force. Puis là, à cette heure, il y a un moteur CPEX de 7 pouces qui entraîne la transmission. Puis sous le couvercle, on devine peut-être le moteur dans le sombre en dessous, mais un contrôleur Curtis, puis contacteur et compagnie caché un peu là. Le but, c'était de le maintenir le plus compact possible, parce qu'il faut quand même que tout soit très compact pour cette machine, puis que l'équilibre soit maintenu. Donc, les batteries, c'est des batteries en lithium que j'ai montées avec des modules de voitures accidentées, fait que des modules pris dans le pack d'un Chevrolet Bolt, puis dissimulés dans des boîtes de munitions. Puis ça va assez bien, les deux sont en parallèle, fait que ça donne un 24 volts. Malheureusement, lui, il marche pas. Mais de toute façon, tout est bien fonctionnel. On s'en servait déjà dans la serre, mais là, on va avoir pas mal plus d'agrément. Là, on a juste à sélectionner notre direction. Puis, on a le contrôle bien smooth et agréable. Un véhicule électrique. Et on n'a plus d'éménation. Là, évidemment, l'outil n'est pas en marche, mais l'outil s'embraye, puis ça devient un petit peu plus bruyant avec le mouvement des dents en dessous. Là, il ne travaille pas dans le sol, mais t'imagines bien comment ça marche. Fait que voilà, un outil novateur conçu, modifié ici au Québec. Puis merci aux gens à Machinerie A1 de m'avoir fait confiance, de m'avoir prêté l'outil pour que je puisse arranger le dernier paramétrage qui me manquait. Fait que je vais vous le renvoyer par messagerie bientôt. Merci.